Quelques grands points qui ont dominé l'actualité à la Chine dominée, deuxième et dernier journée sommet leader G7 en Italie. Pape François, une invité qui a rencontré le président Joe Biden avec le premier ministre italien Giorgia Meloni, parler sur l'intelligence artificielle. En Argentine, la population prend la rue pour protester contre la loi sur réforme économique du président Milei. En Haïti, le premier ministre Gary Conny a organisé une séance de travail pour planifier la saison cyclone qui a commencé depuis le 1er juin. Donc ça, c'est le principal point qui a dominé l'actualité. Et j'en ai annoncé, Nabdou Kelly, le G7 qui s'est participé dans le sommet 2 jours dans le sud d'Italie, et bien avec plusieurs autres invités, parmi eux Pape François, qui est tout premier ministre indien, Narendra Modi. Et bien, il a retourné la caillou après au fin discuter sous plan pour prêter, par exemple, Ukraine 50 milliards de dollars. Il y a tout question qui est pour avec immigration, changement climatique, et pas platé discuter les mêmes questions qui est pour avec intelligence artificielle. Ça, c'est quelqu'un qui a été discuté pendant le sommet. Ça, côté leader pour engagement, tout pour aider Ukraine tout en tant que ça possible. Nous pourrons rejoindre un collaborateur, Jacques Belizère, qui a penché sur le sommet. Ça pour nous. Pape François tourne premier souverain pontife qui prend la parole dans un sommet G7, gros événement ça, cap déroulé à Nessa en Italie et qui réunit entre autres représentants 7 plus gros pays qui plus industrialisés dans le monde. Chef l'Église catholique là lancé un pinga pour utilisation militaire intelligence artificielle. Dans un drame tant qu'un conflit armé, il est urgent pour repenser développement et utilisation dispositifs tant qu'un âme autonome létal pour nous interdire l'utilisation. Et Pape François finit pour le dire, aucune machine ne doit jamais choisir pour le retirer la vie d'un chrétien vivant. Avant ça, Pape François, Jorge Bergoglio, t'es rencontré représentant gros démocratie mondiale et l'autre grand invité dans le sommet. T'es rencontré le premier ministre italien Giorgia Meloni, directrice générale Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, président ukrainien Volodymyr Zelensky, président français Emmanuel Macron, premier ministre canadien Justin Trudeau, semblé une salutation en tête collée à compatriote Javier Milei, qui est président argentin. Président Zelensky content pour rencontre qu'il a gagné avec chef l'Église catholique. Là. Nous avons discuté sous conséquences agression russe contre Ukraine, sous terroriste aérien russe là, avec situation difficile dans le domaine énergie, avec ça li espéré dans le sommet mondial la paix, cap déroulé dans le pays la Suisse. D'ailleurs, Zelensky déjà dans le pays la Suisse pour l'assister au sommet ça. G7 là, c'est un événement annuel mondial qui ouvre porte pour un paquet de réunions bilatérales. Par exemple, président Joe Biden profitait de événements pour rencontrer plusieurs chefs d'État et chefs gouvernement, parmi eux, chef gouvernement italien Giorgia Meloni. Jeudi vendredi ça, la veille clôture sommaire, président ukrainien Volodymyr Zelensky rejetait sa relais ultimatum style Hitler, président russe Vladimir Poutine qui a exigé Kiev abandonner quelques territoires dans un boucantage dans le cadre d'une négociation la paix. Président Zelensky dit message ça, c'est message ultimatum et Hitler t'a fait même bagaille là sous Tchécoslovaquie. Dans première journée, leader t'a metté en pile accent sur phénomène immigration pendant les États-Unis, lui même si un accord sécurité pour 10 ans avec Ukraine. Dans même journée jeudi 13 juin, donc hier, leader G7 yo t'a joint un accord politique sous façon yo ka utiliser bien la Russie yo gelé yo qui s'est bail Ukraine 50 milliards de dollars dans l'argent russe. Ukraine recevoir encore en pile l'autre soutien dans l'occasion sommet G7 ça. L'autre point qui était dans la première journée, c'est guerre Israël-Hamas là, intelligence artificielle, changement climatique, semblé yon opposition entre la France et l'Italie sous question avortement. C'était occasion tout pour leader G7 yo frapper la Chine d'après yo cap mener transaction commerciale qui pas respecter principe éthique international yo pendant l'a soutenir la Russie dans invasion contre Ukraine et la bail la Russie zam et leader G7 yo mandé pour suspendre faire ça. G7 a fini demain samedi avec fameuse déclaration finale traditionnelle yo que groupe 7 là a signé en parlant de États-Unis, Allemagne, la France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon. Yo dit dans document ça qui pas officiel, yo vle agir ensemble pour faire promotion pour résilience économique, pour goumer contre politique commerciale qui pas respecter principes internationaux et renforcer coordination pour relever défis mondiaux. Joe Biden, Olaf Scholz
Emmanuel Macron, Justin Trudeau ak lòt tokayo te reyuni nan sommet sa depi yè jeudi a nan Borgo Egnazia tout près Bari nan Apulia nan sud pays Italie kote yo tap enkyete sou yon paket gwo defi mondial ki gen rapport ak problème la Chine nan kesyon eksportasyon prodwi chinois yo avèk la Rusi san bliye kesyon avòtman, imigrasyon, teknoloji, entelijans artifisyèl avèk de gen mondial yo. Jacques Belizère, VOA Creole. Merci Jacqueline pour ramasser ça comme donc on a dit que leader qui peut publier une déclaration finale et qui c'est normalement ça vous fait après chaque sommet côté pour engagement encore et très certainement il n'y a pas encore l'année prochaine et on va annoncer si on va annoncer déjà qui côté capable prochain sommet on a dit que pas l'autre sommet encore mais c'est pas juste cette fois ça c'est puis l'OTAN lui-même qui sommet pas là venir tout et dans mois ça ou peut-être dans mois j'ai cap venir là parler n'a quitté Italie n'a fond longue traversée pour nous venir dans Caraïbes là côté États-Unis avec Canada et ben yo chaque yo voye en fait Canada voye un bateau de guerre et États-Unis déploie un sous-marin dans Cuba et dans ça qui semble une réponse avec présence une flotte et bateau de guerre et là aussi avec un sous-marin là aussi dans la Havane Cuba détail avec Sandra Lemaire. Un bateau patrouille Force Navale Canada rivé la Havane bonheur vendredi, quelques temps seulement après un sous-marin américain qui a une capacité pour lancer attaque rapidement t'est accosté dans base navale Guantanamo. Tous les deux bateaux yo rivé Cuba après une série bateau la guerre russe t'est rivé dans Iléa puis bonheur semaine ça. Bateau force navale russe, canadien et américain dans Cuba, aux îles communistes qui situe à une distance 160 km seulement à Floride, te rappelé monde de tension qui te connait exister pendant la guerre froide là entre la Russie et l'Occident. Kounia pays sa yo dos à dos pour être la guerre Ukraine. Cependant, États-Unis à Cuba, dit bateau la guerre russe pas posé menace pour région. La Russie tout décrit arrivé bateau la Galio dans pays Cuba qui c'est un pays ami comme routine. Commandement Sud États-Unis publie un message sur réseau X qui dit voyage sous-marin USS Helena t'est planifié d'avance. Un diplomate canadien décrit arrivé bateau Pali tout comme routine et puis il dit il est tombé dans le cadre de coopération qui existait depuis longtemps entre Cuba et Canada. Il a ajouté sa bague en lien pour eux avec présence bateau russe. Dans Moscou, le journaliste a demandé porte-parole ministère affaires étrangères russe là qui message la Russie a envoyé à bateau lio, il t'a dit l'Occident pas occupé si la Russie t'a envoyé bayo par voie diplomatique yo. Il continue pour dire dès que yo remarqué la Russie voyager dans région et puis fait exercice militaire, j'ai tout le monde braqué sous yo. Pendant ce temps, Cubain, dans la Havane, t'es fait la queue pour aller bateau russe. Parmi eux, t'es gagné Josefina Alvarez. Il dit, moi, arrivé ici depuis bonheur matin. Moi, deuxième dans la queue. Moi, vin, moi, belle bagaille ça. C'est rarement nous avons opportunité comme ça. Ariel Vera t'a fait la queue tout. L'expectativa est pouvoir conocerlos de cerca. Didi nous attendons à ce que nous capables de près, ni même équipage yo, ni bateau yo. Et puis, apprendre qui gens ça y est pour travailler sur un bateau comme ça. Bateau de guerre russe, t'as supposé rester la Havane pour juste 17 juin. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis agence Nations Unies pour manger avec agriculture FAO et bien yo déclaré sécheresse dans zone partie sud Afrique continent africain et bien sécheresse ça l'a affecté pays tant coup Angola, Swatini, Madagascar, Mozambique avec Tanzanie et bien agence en fait connaît il lance appel pour porter concours pour éviter que pays ça sécheresse là pas affecté pays ça mais il dit quand même pays ça yo menacé à cause sécheresse là. Operator.
que ce soit quelques camarades qui sont dans la pandémie. Nous parlons dans notre point de minute actualité, nous parlons en Haïti, pour les ministres haïtiens, Guy Coney, discuter avec l'Agence de protection civile, avec l'autre partenaire, pays d'Haïti, sous plan et plan pour. Ça a fait dans l'occasion saison cyclone nous a bloqué et annoncé depuis 1er juin nous va joindre Emmanuel pour plus de détails. Premier ministre Gary Coney qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale participé dans journée 13 juin dans une rencontre travail dans ça qui concernait préparatif saison cyclonique 2024 là qui selon experts excessivement sévère année ça session ça permettre autorité de discuter plan stratégie avec besoin spécifique système nan pour protéger population en situation d'urgence selon docteur Coney. Nous partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait comment on a agi, comment nous même nous appuyer et renforcer pour que nous parer le cyclone frappe. Chef gouvernement gain prérogative tout présider Conseil national gestion risque et désastre. Donc généralement nous voulons connaître conseil présidentiel la devait connaître est-ce que nous parer pour nous répondre à une urgence cyclonique. S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout en place pour nous répondre à besoin de population? C'est un travail ça qui est organisé dans la villa d'accueil sous la houlette Conseil présidentiel transition, réunit différents acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre, notamment Direction générale protection civile, et représentant agence humanitaire dans le pays d'Haïti. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dans une autre programme de mini-actualité, le professeur Camille Chalmers m'a dit que le gouvernement américain essaie de prendre des dispositions nécessaires pour empêcher les armes avec munitions sorties aux États-Unis pour alimenter les bandits armés dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Renan Toussaint. Professeur Camille Chalmers, cap dirigé plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, dénoncer les États-Unis d'Amérique, lui dit qu'il quittait trop d'armes et munitions entrées sous territoire haïtien pour venir alimenter bande armée. Pas oublier que gang, effectivement, yo recevoir armes et munitions en quantité illimitée des États-Unis d'Amérique, de Miami spécialement, et ou à travers la frontière. Et malgré tout discours très souvent hypocrite, des différents gouvernements américains, ils continuent à quitter que flux d'alimentation en armes et munitions, ça a continué. Et malgré, par exemple, les résolutions des Nations Unies, les différentes résolutions sur les sanctions, etc., malgré toute conjoncture, nous voyons que l'approvisionnement armes et munitions gagne, par exemple, suspend. Imaginons, par exemple, dans le quartier côté ma ville, gagne, qu'on fait nuit à tirer. Donc, pour faire nuit à tirer, ça veut dire qu'il y a une munition illimitée, évidemment. OK, donc premier bagage là c'est couper ça, assécher bassin d'approvisionnement en armes et munitions qui fait que gang yo puissant comme ça. Ça c'est un premier élément. Et ça c'est un bagage qui est relativement facile parce que pas gain personne qui ca convaincre nous que l'État américain pas ca contrôler les armes qui sorti de Miami. C'est un bagage élémentaire. Professeur Camille Chalmers parlait de hypocrisie gouvernement américain vis-à-vis peuple haïtien surtout dans sa gain pour insécurité. Hypocrisie qui gagne dans le discours officiel des États-Unis d'Amérique. Comment faire parler de force, d'appui à la sécurité, et puis où organiser migration 3000 policiers? C'est près de, qui dit presque 3500 policiers qui quittaient pays en 2023. Non force PNH qui est déjà sous-dimensionnée, qui pas même gagne assez policiers là-dedans. Donc, si vous voulez assurer vraiment le renforcement de la sécurité, il faut empêcher que 3000 policiers qui, en fonction, qui ont certaines expériences, qui ont certains niveaux de formation, puissent migrer dans le plan Biden. Ça a montré clairement que, justement, la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est pas la sécurité en Haïti, c'est pas le renforcement des institutions étatiques. En tout cas, ça n'a pas longtemps, le gouvernement américain fait police nationale d'Haïti en cadeau 10 véhicules blindés pour renforcer capacité opérationnelle institution. Les États-Unis d'Amérique disent renouveler engagement pour continuer à supporter autorités compétentes en Haïti dans le cadre de lutte contre sa yorele grand banditisme dans le pays. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Nous avons quitté le pays d'Haïti, nous parlons en Argentine. Côté Sénat argentin, passé un
voté en fait un projet de loi que le président argentin a été soumis lui, et bien son projet de loi économique, un projet de loi économique Marie Saint-Tu, qui la population prend, que forcé population prend la rue pour protester contre proposition de loi ça. En allant à Gentil Augustin pour plus de détails. Gros débat qui te gagné sous projet loi réforme président libéral argentin Ariel Milei, pas empêcher Sénat adopter le mercredi 12 juin 2024 là. Ça qui la cause, gros manifestation devant Congrès. Malgré tout inflation en Argentine a baissé, population a poco senti effet ya. Parce que prix produit y aurait été tête nègre et manger toujours yon lix. En esta ley a las grandes empresas. Projet loi ça bay tout bagay. Kounya et pour tout temps à gros business yo. Et puis li di retraité yo tan. Gros compay yo joine taxe qui pi ba ak yon stabilité fiscale pour 30 l'année. Nan paquet taxe la, pi gros millionnaire argentin yo joine moins taxe ak stabilité pour 15 l'année. Mais retraité kap contribuye depuis 30 l'année, pas même connaît combien l'argent yo pral recevoir mois prochain. Nan mois mai, taux inflation chaque mois Argentine nan te gen en pile chance pi bas depuis 2022. Nan mitan rigè président libéral argentin Javier Milei. Mais en pile Argentin di que yo poko senti effet bénéfice parce que prix manje yo dépassé salaire yo. El tema de la inflación todavía moi toujours pas senti inflation qui baissé. Moi toujours pas comprendre qui jan inflation ka descend. Taxe yo wo, service ak gasoline chè, asiran chè, et puis service santé qui ta dwe diminuer, c'est même bagay la ou soit augmenté. Honnêtement, moi toujours pas comprendre qui jan inflation baissé. Inflation annuelle là toujours près 300%. Pi wo nan monde lan, bien que tout chaque mois te ralenti. Et augmentation dépenses manger, service public ak transport, fait salaire minimum chaque mois argentin qui c'est 234 315 pesos, ou soit $260 américains, pas assez. Pourtant, président Milei fait qu'on est li chargé l'autre réforme nan diakout li. Tenemos 3200 réformes. Nous toujours gagné 3200 réformes structurelles pour nous voyer bay Congrès ya. Si nous pas voye yo kounya, n'ap voye yo après 11 décembre 2025. Nous pral changer Argentine. Nous pral créer yo Argentine libéral et nous pral pays qui pi libéral nan monde lan. Nan 40 l'année, nous pral vin pi grand puissance monde lan. Gouvernement argentin a fait jolè pour succès li nan dompte inflation ak mezi difficile pour diminuer l'argent banque centrale a imprimé. Concentré pour gen plus réserve et puis réduit dépenses yo. Mais li doué faire face ak défi pour kembe électeur yo sou bon économie qui pas jam bouger ak pauvreté ya kap augmenté. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Eh bien bon, on a quitté Argentine pour nous faire un autre coup de pied dans le pays d'Haïti. Nous parlons particulièrement dans la deuxième ville du pays, on parle de ville Cap-Haïtien, côté responsable dîner pas au repas. Eh bien, ils ont même, non, alors ils ont organisé, ils ont rumblé, ou bien ont rencontré avec et non seulement dirigeants, mais tout, et membres de société civile là, tout, et villa, pour la population, en fait, explication sous projet réhabilitation système de l'eau potable dans la deuxième ville, là. Ils ont une question que population a toujours babillé pour dire que au pas de dans robinet au sèche c'est pas responsable faire comprendre il y a travail sur question hein, et que il pas prend trop de temps pour que l'eau commence à vider dans robinet. Nous va joindre Jean Maxino pour plus de détails. Responsable office régional de l'eau potable et assainissement au Repano organisé une table sectorielle pour bailler population plus explication sous projet réhabilitation système de l'eau potable dans deuxième ville pays a un projet qui commencé depuis l'année 2021. Directeur au Repanoa Pierre Bernardin Poisson bail population garantie y a joindre de l'eau la caillou très bientôt. Pour population comprendre nous comprendre les nouyer bien nouyer même seul bagage population
population ça attendre l'eau dans robinet parce que nous connaissons l'état qui doit commencer un projet pas fini mais nous pas garantie dans projet ça avec dîner par Urbano de concert avec la BID avec la coopération espagnole et écrit en l'état tout parce que c'est demande de l'état que nous prenons engagement que pour nous fini projet cap haïtien et nous pas garantie tout côté nous dit projet passé et n'a pas de l'eau. Et pour la population a commencé à mettre l'eau dans le robinet, toute critique a fini et ça fait la critique et l'LLL critique que nous prenons avec. L'importance, ça a poussé nous à avancer plus. Délégué départemental NOA, Pierrot Augustin de Gaulle, qui était présent dans table sectorielle, m'a des responsables au Repanoyo pour continuer à informer la population sur l'avancement qu'a fait dans le cadre du projet ça, une façon pour éviter la mâchoire gonflée. Closer ça a organisé aujourd'hui. Mais je souhaite que ce n'est pas une activité de plus, mais c'est une activité pour nous prioriser dans la communauté. Pour nous impliquer davantage. Moi, je voulais commencer si je bouge ça ensemble avec nous. Avec notre kit Krissa que n'a pas bouche ça. C'est concernant la mort premier petit Louko Désir qui c'est petit garçon. Alors, à bien dire c'est Luc Néa Désir. Mais tout le monde connaît ce nom Louko Désir qui c'est principal animateur émission Matin Débat. Luc Néa Désir dit Louko Désir qui passait des présentations comme journaliste professionnel et de carrière et comme ancien candidat à la présidence dans la dernière élection. Nous pas prêts à faire tout un étalage sous ça dans l'émission ça jeudi. Hein? Mais nous voulons voir toute sympathie, non? Et, by famille, hein? Ben, Luc Néa Désir, comme mon grand frère dans le métier, hein? Qui, je dis, hein, cap traversé, cap connaît, un moment qui est difficile en pile. Qui c'est l'amour, petit garçon. Selon ça que Louko, les mêmes que les bail, à travers un petit coup d'interview, collaborateur dans l'émission Matin Débat, son antenne radio Télé Claire, Junier Vendredi, hein? Monsieur clairement dit que petit garçon là, li suicide tête li en français, mais monsieur c'est li touye tête li, il choisit touye tête li. Et qui j'en que le choisit touye tête li, hein? C'est parce que monsieur veut États-Unis, bah ouais. Monsieur, avec un autre seul, petit Louko, et puis maman, il a vécu aux États-Unis. Mais monsieur décidé, selon ça, Louko dit, monsieur décidé, pendant un train a passé, pour le fouiller col en bas train. Et puis le train allait avec elle. Et Louko dit ça, puis malin, même comme monsieur que le pape même joint, pour le temps même, bah, mission dernier jour. OK. Pour le temps même bah mission dernier jour. Le coup expliquer que monsieur quitte un petit note, un petit mémo pour maman, bien que le coup pas dit qui ça monsieur quitte comme petit mémo, comme petit note pour maman. M'pensais que puis devant le coup capable expliquer ça ça monsieur t'a quitté. Et le coup dit que toute la soirée jeudi, qui c'était 13 juin, l'étape texte est parlé à monsieur, parce que monsieur qui pour le gradier avant longtemps, il t'a demandé le coup comme papa pour me rapporter le coup. Est-ce que comme gradiation déjà paré? Et le coup dit oui, tout bague en forme. Et je ne vois de dire, l'étape qu'elle voulait comme gradiation pour mes petits garçons là capable de graduer. Et voilà que, qui ça prend comme information, qui ça prend comme nouvelle, ces petits garçons, ça, que tu as parlé avec,
bien tard dans soirée jeudi soir là et que monsieur décidé touyer tête li elle fouille col en bas en train. Est-ce que monsieur t'a connait au moment de dépression? Le ko dit bon pour les mêmes dans échange que t'es connait à monsieur li pas jamais connait que monsieur t'a traversé au moment de dépression et qui t'a ka poussel poser une action pareille. Pour me répéter, Luc n'y a désir de loco. Bon. Moi-même, pas pour faire débat sur ça. Moi, n'est que partager avec nous information ça. Et moi, essayer, garder, sans retirer, sans mettre, rapporter nous ça que loco, Luc n'y a désir dit. Avec de confrères, alors collaborateur pardon, dans émission Matin Débat sur antenne radio télé éclair. Et m'a quoi ni retirer, m'a quoi ni mettre. Moi n'ai que rapporter ça que loco dit. OK? Moi n'ai que rapporter ça que loco dit. Est-ce que nous là? Bon, c'est triste les que ou gen petit ou comme si fait un pile sacrifice dans le sens positif à bien dire pour lever ti moun sa dans la droiture pour éduquer ti moun alors pour participer dans travail éducation familiale. Notre travail instruction formation timoun ça de près ou de loin et un bon matin que timoun ça il décider c'est lui même en soi qui décider mettre fin à la ville dit Dieu en pile les Dieu même pas dans situation ça moi imaginer Louko ak madame Louko comme si maman monsieur cap vive situation ça moi imagine si c'est monsieur qui c'est petite fille Louko comment il a vive situation ça que moi même pas ta souhaiter me la donne parce que moi j'ai une fille que me pas ta souhaiter comme si m'a vive situation ça moi imagine tout moi même comment comme ça t'arrivé comment m't'a senti. M'pa pral fè aucune intuition pour me dire m'pa konnen rien n'est que rapporter ça m'pa konnen rien ki donc m'pa gen rien pral ni et faire analyse débat sur lui sauf que moi même comme un jeune papa comme un jeune parent OK moi comme si imaginer que moi t'a vivre une situation même n'est pas ta même genre avec Karl ou quoi vivre là comment ça déranger qui dira pour le ko qui fin investi toute ça le gagner nan ti moun sa nan travay pou ti moun sa vin sa le jodi comme si un bon matin ti moun nan décider comme si peut-être que ou par contre ça que les mêmes étapes endurer par contre et puis et ça le fait parce que comme et petit garçon Louko ça monsieur a vivre dans grand pays c'est États-Unis moi été croire que autorité américaine yo entourage monsieur l'école l'université côté le tout ça yo pral mener des investigations pour ta connait exactement qui ça qui pousser monsieur pour que li touyer tête li parce que gon raison et raison comme monsieur pas là pour ta bay raison ça mais nous t'a souhaité que ta gen de indices dans quatre travail enquête qui pral mener et pour ta joine vraie raison la mort petit garçon le courant qui est Louko Stéphane Désir. OK Louko Stéphane Désir c'est un mort tragique et nous mêmes dans mes sacs nouvelles dans Blaise Info dans Pain Nouvelle votre Calbas Info Racine Nouvelle Haïti
nous partager moment ça avec la famille Désir, pour nous dire bien Luc Désir, des locaux Désir. Bon, kounya, on nous entrer dans véritable ensemble point que nous pral faire débat sur là. D'abord, nous pral venir avec question éventuelle révocation DG AI la police qui c'est France LB. Je dis à moi te dit dans émission parler pour changement moi ak Désir Venès comme collaborateur sous ensemble secteur ensemble voix ensemble personnalité qui a exigé révocation France LB dans tête la police là m'a dit est-ce que c'est parce que ensemble secteur ça yo ensemble groupement ça yo ensemble acteur ça yo est-ce que c'est parce que yo pas remé forme tête France LB qui fait que y a exigé révocation France LB OK est-ce que c'est parce que France LB te doit faire un bagage pour yo et li pas fait li qui fait que y a exigé révocation et puis arrestation France LB m'a essayé poser question mais là mal tendez moi garder revendication ensemble secteur ensemble acteur sa yo qui sa yo dit yo dit que depuis sous déclaration en 2021 après assassinat président Jovenel Moïse yon ek tan kou vite l'homme innocent bandi criminel grand chemin criminel notoire li te campé pou te di dans la presse que li gen de très bon rapport avec France LB parce que déclaration là c'est pas moi qui l'apprendre nous yo moi n'est que a fait un rappel pour me garder raison qui poussait que ensemble secteur ensemble groupe yo cap exiger démission France LB m'a regarder ça. Et pas oublier que vite l'homme innocent. Monsieur était toujours dit que li investi tout ça le gagnait l'argent moyen pour te capoter président Jovenel Moïse. Il était toujours dit tout. Mais qui avec acteur politique? Mais qui avec ancien parlementaire, ancien autorité que le chit a parlé? Et il pouvait être comploté dans touyer dans rap dans capoter président Jovenel Moïse et parmi nous que il te cite qu'on cité yo il te cité non Ariel Henry il te qu'on cité non France LB il te qu'on cité non de Montakou Nelel Kassi André Michel Ricard Pierre Marjorie Michel pour me citer ça seulement. Malgré ensemble dénonciation ça yo France LB Ariel Henry équipe SDP yo était toujours été la ité koyo
dans le pouvoir Ariel Henry. C'est comme quand on a dit que tout ça que Vitelam de qu'on a dit yo, c'est menti ou dit moins que c'est chercher l'a chercher pour attirer attention, pour l'attirer focus sous tête li. Et ça t'est poussé ensemble de organismes droits humains. Et parmi eux Pierre Espérance RNDDH. Côté que li clairement te dit que li clairement te dit que il était même allé puné pour le dit que France LB gen même propre compagnie sécurité. Ça veut dire que yon bagay ki anormal on est déjà la police et parallèlement li gagne compagnie sécurité. Et selon un pile défense droits humains, yo wè que ou telle action pas jamais permettre que gen volonté la CAI France LB pour ta résoudre question insécurité. Parce que si que l'État résout question insécurité, hein, mais compagnie sécurité, là, selon ça que tu as dit, bon côté France et Pierre Espérance, pas bien raison d'être parce que vous pouvez obliger, comme si pas bien raison, comme si pour négliger ben, sécurité avec des VIP. Et même Pierre Espérance a te kon toujours dit qu'on a de machines officielles dans la police et dans le gouvernement qui te kon à participer dans une série réunion avec Vitelhomme Lacali dans Peigné Torse. Bon, tu ne pas qu'on n'a cité Pierre Espérance. Est-ce que c'est vrai ça te kon dit? Est-ce que c'est menti que nous-mêmes en soi nous n'est que à répéter parole Pierre Espérance. OK? Jodi an, même de syndicats en dans la police là. Tant kou Sinapo qui gagne comme une responsable qui c'est Lionel Lazare. SPNH 17 qui gagne en tête li, alors qui gagne comme membre Gary Jean-Baptiste comme une conseiller estricti SPNH 17 là. Yo tout mette voyo ensemble pour yo exiger démission et puis révocation France LB pour incompétent. Parce que encore plus li fait complice nan action bandi a posé là. Nan men nou dim qui opération pendant plus que 2 ans France LB gagné dans la police non bam un bon genre opération que on est France LB comme DG la police non avec toute la chaîne commande la police non yo rivé mené pour yo tabli sécurité en dans pays. M'a dit pas mené non, même dit bam deux. Bam une ou bien deux que on connaît. Et qui bail résultat? Bam une ou bien deux que on connaît qui bail résultat? Vous comprenez? Laisse ça m'a dit exactement mais ça que l'était mené parce que pas oublier si que il mène des opérations, ok, ouais, si que yo si que yo t'ai mené, yo t'ai planifié
de opération et garçon canson. Bon, c'est que c'est pas moi même qui t'a pral mandé nous. M'a déjà connu parce que moi dans domaine là, à dire moi dans information. M'a déjà connu mais qui opération? OK? Mais qui opération que yo mené déjà? Mais qui opération sous France LB? Mais qui opération qui mené? C'est parce que pas vraiment que ça n'est lié. Opération qui mène. C'est parce que pas vraiment que opération qui rive mène et qui ba résultat qui fait aujourd'hui ensemble secteur ensemble voyou a levé pour exiger démission et arrestation France LB dans la police. Li pa un secret pour personne que ça qui là comme insécurité hein li vin exagérer chaque jour qui passe. Insécurité a pas diminué. Au contraire. Insécurité hein c'est augmenter que li augmenter. Ah oui, fann di baga la clair. Insécurité a pas diminué. Insécurité hein c'est augmenter que li augmenter. Chaque jour qui passe. Chaque jour qui passe. C'est augmenter que insécurité hein li augmenter. Nous d'accord ça. Mais pendant que la prend vitesse de croisière lien qui sa chaîne commande la police en lui-même li poser comme action. Parce que dans journée que mercredi 12 juin qui t'est marqué 29 l'année existence la police là. France LB avec chaîne commande la police là, regardez la police là. À travers une vidéo que France LB te prend la parole, préenregistré. Il dit que pendant 2 ans, étude que au fait de situation sécurité en pays d'Haïti, il y a que c'est une situation de guérilla dans le pays. Elle dit, c'est pas de action criminalité, non. C'est de action terroriste. C'est de action cannibale. C'est de action qui, comme si m'da dit, de. Comme si m'da dit, à l'extrême que nègre a fait. Mais en sérieux. Si pendant. Si étude ça yo que wo commandement la police arrive mener yo fini par découvrir OK yo fini par ouais yo fini par joindre que ça gain là comme situation et sécuritaire li exagéré li dépasser limite li dépasser les bonnes li dépasser limite li dépasser les bonnes et bien comprendre bien qui ça chaîne commande la police a prend comme disposition. Ah oui, qui ça chaîne commande la police a posé comme action pour empêcher que situation pas dégénérer comme ça en rien. Parce que bon nous va quitter clair qui clair. Lorsque chef lorsque autorité ou pas plein rien
ou pas dénoncer, ou pas condamner, ou pas critiquer ou agir. Bon, moi prends ça pour nous. Lorsque chef, ou bien, si vous avez notoriété, si vous avez pouvoir, ou pas plaigner, ou pas dénoncer, ou pas critiquer, ou pas condamner, ou agir, agir bien, non, non, l'État. Et toujours dit, dans affaires de sécurité, l'État gesanrelé, l'écrit noir sur blanc, l'État gen monopole violence légitime pour que li agit sans que li pas fait des dommages collatéraux, li pas fait abus, li pas fait méchanceté, li agit et pour le résultat. Li clair? L'État gen impérieuse obligation pour que li fait respecter et permettre que peuple haïtien li jouit de ensemble de droits que le gagne yo. OK, li jouit ensemble droits que le gagne yo. Et moi toujours dis droit à la sécurité, droit à la vie. Li se premier droit que chaque haïtien gagne. Yo dwe jwi de droit ça. Yo dwe jwi de droit ça. Droit à la sécurité, à la vie. Et moi toujours dit ici, moi avec Désir Venesse, la sécurité, c'est premier bien public. Elle dit, li la pour tout le monde jouir de lui. Li la pour tout le monde profiter de lui. Mais pour que droit ça, li vin yon réalité. Faut nous gain autorité, faut nous gain moun qui gain dimension moun la kayo, qui gain mounité la kayo, et qui comprend et qui dit tête yo que yo paré, yo prêt pour que yo fait respecter et pour permettre que droit ça au capable vraiment droit à la sécurité et la vie, droit à la manger, droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation. C'est pas en faveur. C'est pas comme si c'est pas en grâce. C'est pas et pas pitié. Il a fait ça pour peuple haïtien, mais non. C'est une obligation. Je dis un m'a dit clairement. France LBTK qui volonté oui. France LBTK yon bon technicien oui. Mais le fait que quitte situation dégénérée, j'en dégénéré là. Même l'intégré volonté. Même l'intégré était un bon technicien. Nan jan que situation dégénéré, ça montre et ça traduit que pas de volonté à la France LB. Ça traduit et ça montre que pas de volonté la France LB. Pas de rien. Ça traduit que France LB prouve que il pas un technicien. Parce que nous pas, peuple haïtien pas ouais ça le comme résultat. Peuple haïtien pas ça le poser comme au moins une grande action. Yo pa wel. Yo pa wel. Yo pa wel vrai. Yo pa wel. Et si je dis yo pa wel, faut que yo di yo pa wel.
si je dis, hein, peuple haïtien, hein, ok? Ok? Peuple haïtien, Powell, il a dit Powell. Ok? Et je dis à l'abdi clair. Peuple haïtien, pas un peuple qui exigeant. N'est pas si minimum que nous bali, li satisfait. Nous, ouais, ça. Ok? Nous, ouais, ça. N'est pas si minimum que nous, les peuples haïtiens, li satisfait. Mais pour qui ça fait? Pas jamais gen volonté, hein? Pour nous bâler si minimum là. Pas j'aime que vous le dites, non? Pour nous bâler si minimum là. Nous toujours à chercher excuses, à chercher faux prétextes, au lieu que nous entendons, nous bâler peuple là minimum là. Nous pas j'aime le bâler. Il est clair que si on n'est pas changé, si donné ou pas changé à la dernière minute, l'éclair, France LB, révoqué. L'éclair. Et même les PM Kony, conseil présidentiel, table Kembe France LB, m'a dit à qui figi, que pour France LB ta capable dire qu'elle a continué rester dans tête la police. Parce que pendant passage ou comme dit que général en pile commissaire écrasé, en pile commissaire boulé, en pile policier mouri jusqu'à présent, il y a trois gros drames qui passaient sous direction France LB. Il y a trois gros drames que la police a connaît. N'importe 4 même, c'est si le 3. N'importe 4 même. 4 gros drames. Et si menti, dis menti. N'importe 4 gros drames qui passaient dans la police sous France LB. Qui ça le fait? En janvier 2023, dans Liancourt, Bandi ça vient tuer n'importe 4 à 6 policiers. Humilié cadavre. Prince Zamio, humilié cadavre. France LB va faire un, il va dire rien. Pas jamais une opération qui me mène, ou me pouta même faire nègre senti que gon réponse que y a ba yo, a me fin touye policier yo. Métivier, dans Pétionville. Dans même janvier 2024 et 2023, on n'est pas fait comme action. Récemment, là, m'kwe se 29 février ou dimanche 1er mars, bandi krasé sous commissariat Bon Repos. Hein. Et yon touye plusieurs policiers en dedans. Malgré police yon tap mande secours, yon tap goumè a bandi yo. Yon yon dernier côté yon bal yon fin, yon pa kapam encore, yon mande renfort. Yon pa pote renfort ba yo. Jusqu'à ce que bandi yon rive dans commissariat, yon touye policiers yo, yon humilié cadavre yo, mette yon nan bouette, yon krasé commissariat Bon Repos. Quand yon bi pa fè rien. Alors que, direction générale de la police, non? Il trouve le clair signe, pas vrai? Il à quelques kilomètres de Bon Repos. À quelques kilomètres de Bon Repos. Qui donc, si que tu as volonté, pour yo te poté renfort bay policier sa yo ki te coincé nan poste sous commissariat Bon Repos
yo te capable gete, yo te capable mourir. Encore. Bon Dieu a annoncé que vivre ensemble annoncé. Si la pli iso barbecue yo annonce pour craser pénitence nationale qui c'est plus gros prison civile pays hein. Yo annonce yo craser yo fait le vrai. Pas de aucune disposition que te prend pour te empêcher que bandi ça yo pour pas craser pénitence nationale. Tout ça passé sous direction France LB. Ah oui. Bandio annoncé à travers l'an mensonge qu'a diriger pleinement. C'est triste, me dit qu'a diriger pleinement. Les gars pas magistrat, li pas rien. Obligé dire qu'a diriger pleinement parce que c'est eux même qui est posé pour l'an pleinement. Il a annoncé que l'a craser prison civile, quoi des bouquets et commissariat, li fait le vrai. En bas G France LB et en bas G l'autre monde qui dans chaîne commande la police ensemble avec lui. Il va faire rien. Je vous dis ça m'a dit là aussi menti m'a bail. M'a dit menti m'a bail parce que tout ça qui passé là moi avec désir venest nous toujours pour ba nous dans émission qu'on fait comme information. D'ailleurs nous haïtiens nous pas faire sensation de bail menti nous-mêmes. Nous disons la clé et puis nous faisons analyse sur lui. Nous faisons débat sur lui. OK? Et dernier en date qui se passe là, c'est 9 juin, qui c'est dimanche. Côté que trois policiers, alors plusieurs policiers, 8 tag, qui disent dans blende ça, ils prennent une embuscade en dedans d'Emma 18, zone sans fil. Police a demandé renfort. Il va jamais pouter renfort baï ou attend vraiment d'ailleurs t'as peut-être ensemble de ti dans le vocal comme des jeux ici que de police qui t'a dit est-ce que c'est un yapten leur fin tout les policiers pour pouter renfort baï ou nous t'attendais ça ici pourquoi policier utag mouri sous place yo humilié cadavre yo yo metté dans bourette boulé koyo prend zam yo boulé blindé et gang qui prend balle cap prend soin l'hôpital que ne pas connaît comment état santé lié. Et tout ça au passé en bas G sous direction France LB avec chaîne commande la police là. Qui ça le fait? Qui ça le dit? Rien. Sauf que avant hier, à travers une petite vidéo où elle dit qu'on s'accue au 9 juin pas passé même Jacques 12 mars 2021. 9 juin 2024 pas passé même Jacques avec 12 mars 2021. Elle dit il lance le long bataille avec Léon Charles. Et ça faut Léon Charles a parlé pour le tout comme si c'est des garçons ma commun. Léon Charles qui était passé comme déjà la police qui gagnait cadavre policier soit à Boyo sous bral en dans village de Dieu. Léon Charles tout qui était passé comme déjà la police qui gagnait cadavre président Jovenel Moïse sous bral parce que comme directeur général la police pas fait rien. Je dis hein, li tout non garçon ma commun, li avec France LB, il comme si il a dit dans un. Il a joué pour même femme. Ah oui. Je joue pour même femme. Tout gon litige entre nek sa yo. Hein? Alors ce que je dis hein, ça a besoin hein. C'est ouais qui gens, c'est ouais qui moyen, c'est jeune pi bon moyen pour permettre que yo pote réponse avec situation. Pe ba isap konnen là. Ouais. C'est vrai qui Jean. OK. 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 Bon, c'est confirmé. C'est confirmé que c'est bon, regardez bien pour moi. C'est confirmé c'est Normil Rameau qui remplacé France LB nan tête la police tan. OK? C'est Normil Rameau, Rameau Normil, c'est Rameau Normil. Li c'est nouveau directeur général la police lan
et li remplacé France LB nan tête la police là. Et ancien DG Ramon Ormil qui lui-même t'est trouvé Washington, il déjà nan route pour capable rentrer Haïti. Conseil présidentiel là et puis Premier ministre Gay Koni a décidé nommer et remplacer France LB dans tête la police là. Et qui je dis hein, il y a en pile critique. Ouais. Il y a pile critique qui gagnait contre question France LB. M'a dit clairement que OK. N'a dit que DG Ramon Ormil qui s'est confirmé lycée nouveau directeur général de la police là. La pour une deuxième fois. Li vin occupé pour ça. OK. Pour une deuxième fois. OK. Ramon Ormil li vin occupé poste directeur général la police là. Et nous songe dernière date que Ramon Ormil était DG la police, c'était là que Joseph Jout que était premier ministre dans période là. Bien que Joseph Jout monsieur li même en soi pas de trop si pas de trop dans ses collés avec Ramon Ormil. Kounia, est-ce que nous ka dit que Ramon Ormil li konté rien déjà? L'aime dit li konté rien déjà, mais kounia pendant 2 ans à 3 ans. Est-ce que situation en tout là li va un petit jan vin détériorer quand même? Hein? Ah oui. Est-ce que pendant un petit temps là tout que est-ce que donné pas changer tout? Est-ce que donné pas changer tout? Ça fait Rameau Normil en pile monde voulait rester croire que passage dans tête DCPJ passage dans tête DCPJ li pas critique parce que ou te bay résultat l'autre dans tête DCPJ. OK, l'autre dans tête DCPJ bien que l'autre vin directeur général le président Jovenel Moïse te décidé nommer comme directeur général la police non. Contexte là, t'es un petit genre différent. Parce que, dans un moment, marionnaise entre ou même avec Joseph, la patte passe bien. Et ou t'es venu pas dans le poste là encore. Est-ce que marionnaise là, pral passe entre Ramon Ormil, Normil Ramon, et puis Gay Koni? Est-ce que tout. Et puis conseil présidentiel yo jodi an li clair Ramon Ormil ou gen un lot de responsabilité et pas même seulement parce que pral gen chaîne commande là avec ou. OK. Ou gen obligation pour bay résultat mon frère. Parce que sinon critique France LB prend la yo. En bas yo tout. Critique France LB prend la yo. Ou même tout ka prend yo. Et ça fait ou gen pour travail. OK. OK. OK pour travail et permettre que
ou libérer marchandise là. Parce que peuple haïtien a souffri trop là. Peuple haïtien a souffri dans moment Ramon Normil. Gary Conné a tout gouverné mon là. Conseil présidentiel yo. Peuple haïtien a souffri trop dans moment. Yo pa konn ki c'est pour yo adresser encore. Yo pa konn ki prier pour yo faire dans moment. Parce que situation compliquée. Parce que situation exagérée. Nous pas dit que dans un mois, deux mois, la paix pral tabli. Mais important c'est que moun yo souhaité depuis rivé an faut que un sial qui commence voyer faut que un sial qui baille d'ailleurs nous tendez parole barbecue yo nous tendez parole barbecue yo clairement dit que les mêmes li connaît mouri déjà. C'est enterré que le poko enterré. Il connaît que cadavre li gâté déjà. C'est enterré que le poko enterré. Et la paritane, ça cap vin joindre ni. OK? Je dis hein, n'a pas essayé comprendre que Ramon Normil. OK? Ramon Normil. Oh, c'est confirmé. Joacin et Marie Bermat, c'est confirmé que Franz Ebebala, c'est Ramon Normil qui remplace elle. OK. C'est Ramon Normil qui s'était en CDG, ancien directeur de CPJ et qui s'était ancien directeur de la police là, c'est monsieur qui remplace Franz LB et il pense que d'ici semaine lundi hein, installation Ramon Normil t'a dû fait pour que lui-même n'y entre dans pays hein, pour lui commencer à mettre le travail pour le mettre au service pour commencer à porter résultat parce que ça gagne la comme insécurité hein, et situation hein, li exagéré et moins clairement dit que peuple haïtien dit que pas capable encore peuple haïtien dit li bouqué. Peuple haïtien dit li about avec question gen sécurité. En tous les cas, gen un pi voix tap levé pour demander changement dans la police là. Et c'est vrai changement fait kounya. France LBC du passé. On peut parler de Ramon Normil, mais Ramon Normil tout qu'on est. C'est pas un carte blanche qui au bali là. Non, et bon câble chez Bali là pour venir passer comme s'il il vient monter terrain là sans qu'elle ça que pas les sûr certain qu'on dit rien. Li compte rien. Mais qu'il y a li besoin pour gagner de bons grains jouer avec qui gagne volonté qui veut travailler et qui compte travail et qui compte ça pour faire pour